Notre analyse et recherche sous affaire droit mon cadre dit constater phénomène sécurité a tendance à monter spécialement dans la région métropolitaine Port-au-Prince là dans un rapport publié 3 août passé en organisation droit mon à travers cellule observation criminalité dit identifié 83 cas kidnapping pour mois juillet parmi eux 23 dans Bas-la-Tibonite d'après maître Gédéon Jean violence gang vite l'homme innocent provoqué dans tabac la cause déplacement 400 familles, ça qui baille 2000 mounes qui déplacés parmi eux. 229 Timoun qui gagne entre 0 et 17 l'année d'après CAD. Responsable organisation droit moun nan M. Gédéon Jean profite fait quelques recommandations tant que bay PNH lan bon jan moyen qui nécessaire pour combattre phénomène ça mais faut que nous dit sous situation moun tabayo semblé autorité yo ça te préoccupé yo c'était levé moun yo devant ambassade là et mes côté yo kounya. Je suis sûr que semblait pas trop sous bon monde ça yo qui dans l'école Jean-Marie Vincent dans lycée Jean-Marie Vincent donc monde ça yo qui mandé à autorité yo pour fond Jean pour yo dans piro niveau l'état et permettre que sécurité retourne dans zone côté yo sorti zone des ambassades américaines en façon pour capable retourner la caille on côté maître Gédéon Jean qui t'a répondre question Michli Alexis. Dans le rapport de la police sociale, 400, c'est 83 cas de kidnapping pour le mois de juillet 2023, dont il y a au moins 23 cas au bas d'Antibonite. Donc, il y a au moins deux rapports collectifs qui font, nous disons au moins. Et il nous a ajouté tout, puisque nous n'avons pas publié sur ça, il y a au moins 51 ressortissants étrangers pour quatre pays qui avaient de janvier à date. Violence qui est instaurée par le gang de Vite l'homme innocent à tabac, le gang Kajé Dalé, qui provoquait le déplacement de d'environ 400 familles qui totalisaient 2000 déplacés internes et donc qui gagnaient la Dali 229 enfants, donc de 0 à 17 ans. Donc, situation, ça, j'ai comme je dit au début, hein, démontrer que violence n'a pas augmenté. Ok, il est augmenté. C'est donc ça qui explique l'augmentation violence. Eh bien, nous t'expliquons ça dans le bulletin 1. Il y a l'affaiblissement du mouvement Guacalé. C'est vrai que il y a certaines zones Guacalé a pas affaibli. Sous-prend par exemple Canapé Vert, sous-prend Tujou, sous-prend par exemple dans la zone La Boule. Sous-prend même dans cette partie bonite là. Guacalé n'a pas vraiment affaibli. Mais ont été propagés et à l'échelle nationale, il y a atteint 8 départements sur 10, donc il est plus ou moins affaibli. Mais comme c'était Boakali a fondamentalement qui était expliqué et ralentissement action gagnant qui était fait retourner dans tout, et bien une fois que Boakali a baissé, c'est normal que la violence a augmenté, d'autant plus que dans ces gagnants. Donc, ça veut dire que les gens sont question de survie, il faut plus sortir pour les jeunes moyens et ceux qui kidnappent et qui permettent de gagner les jeunes moyens parce que il y a une sanction qui vient occasionner un coût important dans le financement gagné. Et les violences ont augmenté. Maintenant, est-ce que la continue à augmenter? Dans l'hypothèse, je nous dis encore oui, d'autant plus que cette force internationale qui envisage là, les papas alvinés, rapidement comme ça, parce que qu'il ne faut pas oublier que il faut qu'il y ait le vote du Conseil de sécurité qui est fait. Et le 15 au plus tard, le secrétaire général devra présenter. Voilà, maître Gédéon Jean.